pour que nous soyons entourés dans 15 jours. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lellouche, la ligne qui est celle de la France et qui est celle de la communauté internationale est celle-ci. L'Iran a parfaitement le droit d'utiliser l'énergie nucléaire civile, mais la bombe atomique, non. Voilà la ligne qui est la nôtre et qui permet de décliner l'ensemble des éléments de la négociation. Nous avons eu, il y a de cela quelques jours, une négociation longue à Genève. Elle a été utile. La France y a apporté sa contribution. Et la position qui est la nôtre, je veux le préciser, est la position commune des 6 pays, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Cette proposition a été présentée aux Iraniens qui, après discussion, n'ont pas pu, à ce stade, l'approuver. Mais nous avons pris rendez-vous. Le 20, nos directeurs politiques se rencontrent et j'espère bien que nous pourrons conclure. Sur quelle base ? Sur une base de fermeté. Mais la fermeté n'est pas la fermeture. Ce qui veut dire que la France veut qu'il y ait un résultat, mais comme vous l'avez souligné, un résultat crédible et solide. Je pense qu'à Genève, nous avons avancé. Nous n'avons pas servi les intérêts de tel ou tel pays. La France est un pays indépendant qui agit au service de la sécurité régionale et internationale. C'est notre ligne et cela continuera de l'être. Merci. La parole est à Monsieur